لماذا لا, تتحد الأمة؟ لماذا لا تتحد الامه يتساءل كثير من الناس, كثير من الناس. لماذا الامه الاسلاميه متفرقه تفرقة. تفرقة. ها؟ تفرقة. لماذا؟, لماذا لماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد شيخ شيخ صالح صالح السحيمي حفظه الله تعالى دي بارول بلوس لماذا لا تتحد الامه يتساءل كثير من الناس لماذا الامه الاسلاميه متفرقه ولماذا الاسلاميه متمزقه ولماذا يتحكم فيهم اخوان القرده والخنازير ها؟ لماذا لان الكثير منهم مشرك بالله يدعي انه من اهل لا اله الا الله وهو يعبد الاصنام والاوثان والقبور والنجوم Beaucoup de gens parmi les musulmans se demandent pourquoi la communauté n'est-elle pas unie, pourquoi est-elle si divisée, pourquoi est-elle dans une telle situation de rabaissement, d'humiliation, éprouvée et dominée par leurs opposants, les frères des singes et des porcs. La réponse est que beaucoup parmi ceux qui appartiennent ou se revendiquent de l'islam ont sombré dans le polythéisme, le shirk. Certains prétendent être des partisans de la parole la ilaha illallah, certains prétendent être des monothéistes alors qu'en réalité ils adorent des idoles, des statues. des tombes, des étoiles, etc. اليوم في الصباح استمع الى اذاعه كنت انتظر نشره الاخبار واذا بنساء مسلمات اسماءهن اسماء ورجال اسماء اسلاميه يسالون واحد عن النجم الفلاني وعن الطالع الفلاني وعن الحظ الفلاني أسماءهم إسلامية ومن إذاعة الإسلامية تدعي أنها إسلامية أين كيف يعني يعني نحن نريد أن نجمع الأمة بهذا الغثاء والله لن تجتمع والله لن تجتمع ما دام هذا الغثاء موجودا حتى تطهر الأرض من الشرك لا أعني حتى لا أعني شرك الكفار المعروفين من اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين وغيرهم هؤلاء كفرهم معلوم أعني ممن ينتسب إلى Pour vous citer un exemple, ce matin, j'ai voulu écouter les informations. Aussi, j'ai allumé la radio. Et je suis tombé sur une émission dans laquelle des hommes et des femmes musulmans ou plutôt des hommes et des femmes qui avaient des prénoms islamiques, interrogeaient au sujet de leur horoscope. Ils interrogeaient au sujet de certaines étoiles qui soi-disant porteraient chance. Ils interrogeaient au sujet de telle ou telle constellation qui soi-disant porterait chance. Et tout ceci, bien entendu, est en contradiction totale avec l'islam. Ces gens avaient des prénoms islamiques et l'émission était diffusée depuis une station de radio islamique ou prétendue islamique. Comment est-ce possible Comment a-t-on pu arriver à un tel niveau de bassesse L'unité, l'union de la communauté musulmane est nécessaire. Mais allons-nous nous réunir avec des gens dont le dogme et les croyances sont éloignés à ce point du dogme authentique et correct Par Allah, jamais la communauté ne sera unie. Jamais l'union véritable et bénéfique de cette communauté ne sera possible tant qu'il y aura parmi nous des gens qui auront dans leur cœur des croyances fausses, perverties, corrompues et immorales. Cette union ne sera jamais possible tant que la terre n'aura pas été purifiée de l'associationnisme, le shirk, le polythéisme. Et je ne parle pas de l'associationnisme que l'on retrouve chez les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les communistes, etc. Non! Car en ce qui les concerne, leur mécréance est connue. Et ils n'ont jamais prétendu faire partie de l'islam. Moi, je parle de cet associationnisme, ce polythéisme, ce shirk que l'on retrouve chez ceux qui s'affilient à l'islam, ceux qui se revendiquent de l'islam. alors qu'ils associent à Allah ils الله un culte à ومع هذا نقول نحن هذا الذي يقول هذا الكلام يقول لك فلان يفرق الامة فلان يفرق الناس هذا يفرق كلمة الامة هي متفرقة اصلا ولن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قضية ما هي قضية دعاوى، إسلام بالهوية. نحن لا نيأس. نقول سيعود الناس إلى الإسلام، لكن متى؟ إي كونسيرنون لي جون كي يطلق التوحيد، لي جون كي يطلق الدغم أوثنتيك، إي كي مت Contre le shirk Ces gens disent Que ce sont des semeurs de troubles Ils disent Que nous semons la division Au sein de la communauté Alors qu'en réalité La communauté musulmane Est déjà divisée à la base Et comme a dit L'imam Malik rahimahullah, Rien n'améliorera L'état des derniers De cette communauté si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers de cette communauté. Rien n'améliorera l'état des derniers de cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers de cette communauté. Et les premiers de cette communauté, ce sont les compagnons du messager d'Allah, « Sallallahu alayhi wa sallam ». Et ce qui a amélioré leur état, c'est le fait qu'ils ont accouru vers le Coran et les enseignements du Prophète (sallallahu alaihi wasallam) la Sunnah. Ils les ont acceptés, ils les ont assimilés et ils les ont mis en pratique. Ainsi, il s'agit d'un sujet d'une importance capitale. L'islam ce n'est pas une simple prétention. Ce n'est pas une simple parole que l'on prononcerait de sa langue sans agir en conséquence. Il ne s'agit pas de se prétendre muslim, musulman sans agir en conséquence. Et en ce qui nous concerne, nous, nous ne désespérons pas et nous affirmons que les gens vont revenir à l'islam authentique. نانوين كون يتطلب الامر جهود من طلبه العلم ومن المشايخ ومن العلماء ومن من تبلغه مثل هذه الرساله وممن يغار على العقيده ان يكون حازما في تبليغ رساله الله عز وجل كما هي ليس بالتجميع هذا التجميع والتخليط سئمناه وشبعنا منه من عشرات السنين تعقد المؤتمرات في كل مكان وهي كطاحن القرون التي تسمع جعجعه ولا تجد اثرا نحن لا نيأس الامل في الله عظيم ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهره منصوره لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله Cette affaire nécessite que les étudiants en sciences religieuses fassent des efforts, de même que les gens de science, les savants, ainsi que quiconque à qui cet appel sera parvenu. Cette affaire nécessite les efforts de chacun. Nous avons besoin de personnes qui vont approfondir leur connaissance du dogme islamique authentique et qui soient déterminées à diffuser le message d'Allah, le message de l'islam tel qu'il a été révélé. Voilà sur quoi nous devons nous unir. Quant au fait de s'unir et de se regrouper sur un nom ou sur une appartenance ethnique ou géographique, tout ceci... En réalité ne sert à rien et ne donnera aucun fruit. Depuis des années, certains groupes organisent des conférences un peu partout, ils se réunissent et appellent à l'union, au regroupement, mais un regroupement qui n'est pas fondé sur le tawhid, un regroupement qui n'est pas fondé sur le dogme authentique. Ne donnera aucun résultat bénéfique. Ils font énormément de bruit, mais pour rien du tout. Il n'y a aucun résultat bénéfique. Nous avons foi en notre Seigneur et nous ne désespérons pas. Notre espoir en lui est immense. De plus, le messager d'Allah a dit, en traduction rapprochée, Il a dit Il y aura toujours un groupe de ma communauté apparent sur la vérité et secouru sans que ceux qui ne les contredisent ne leur causent de tort. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Cependant, nous disons Quand est-ce que la construction de ton édifice sera achevée si un autre que toi vient à chaque fois le détruire Quand est-ce que la construction de ton édifice sera achevée si un autre que toi vient à chaque fois le détruire Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.